Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Bonsoir, bonsoir, merci d'écouter Créole FM en direct sur la télé, sur Télé Créole ce soir. Bonsoir tout le monde, merci François pour le direct jusqu'à 22h. Salut Leslie, ça va toujours? Salut Dani, oui, ça va et toi? Ah bah ça va, hein, ouais, c'est bon quoi, c'est bon, ça va quoi, ça vient, c'est bien. Ouais, c'est bon, c'est... Comment on dit, c'est ma goussure, ça c'est cool. Un mix entre Tyrod et Warren, les titres, donc dans un instant. Les amis, donc Tyrod, ça va? Ça va, merci, merci. Salut tout le monde, c'est Erin. Bon, bon, bah, ouais, c'est bon alors. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Alors, dans un instant, le Zoom à Zoom avec Tyrod et Warren, ce sera dans un instant, en tout cas pour ce soir. Pour les personnes qui regardent la télé, en tout cas, soyez les bienvenus sur Télé Créole et Créole FM également. Pour ce soir, avec Leslie qui va démarrer le Zoom à Zoom. Hein, Leslie? Tu veux que je démarre tout de suite, comme ça, direct dans le feu de l'action? Ah oui, bah, À Pâques, si vous me dites que, bah, et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, oui, ça fait longtemps, oui, effectivement. T'es chemeuse dans l'émission, oui, ça s'est dit. Ah, bon, arrête de dire n'importe quoi, Dani. Non, je plaisante, bien, bien, Takidao. Alors, en tout cas, c'est tout ce cumul reste, hein, donc ça, c'est bien. Ça commence, oui, c'est parti pour 2 heures là. Bah oui, c'est bien, c'est bon. Allez, en tout cas, bah, Tyrod, c'est pas la première fois que tu viens dans l'émission, tu connais le principe. Hein? Exactement, ouais. Ah, bah, ouais. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué un peu quand même. Hein. Ah, t'as vu. Bon, en plus, ouais. Tyrod veut venir à la réunion là. En plus. Tu vois, que tu m'avais promis la dernière fois. Ah bon, je t'ai promis ça moi? Ah oui, on peut regarder hein, les anciens. Hein. Non, mais Dani, il promet plein de choses à plein de monde. Il faut faire attention. Oui, c'est ça. Et bah, comme dirait un chanteur, un artiste, bah écoute, hein, ouais, c'est bon. ça remplace le oui n'a pas bataille. T'as vu Leslie, hein, comment je suis bon quoi. Attends. Oh, ouais, ouais, franchement. Ouais, de mieux en bon, mieux. Ouais, de mieux en mieux, de plus en plus. Allez. Allez, Leslie, bilassons pour le Zoom à Zoom de ce soir. Allez, c'est parti pour le Zoom à Zoom. Alors, je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, Tyrod. Mais c'est bon, oui, tu me poses des questions, je réponds, ouais. Et voilà. Voilà, donc il faut que tu répondes le plus sincèrement et le plus rapidement possible, voilà. Sans réfléchir. Marche. Allez, c'est parti. Sans trop réfléchir, bon, ça, on verra. Hein. Non, franchement, je suis... L'eau. Ok, allez. Alors, si tu pouvais emmener une personne et une seule en voyage avec toi, quelle serait-elle? Ma maman. Ok. Es-tu plutôt du matin ou du soir? Du soir. Quel est l'objet dont tu ne te sépares jamais? Mon doudou. J'adore cette question. Le doudou. Okay. Mon doudou. Ok, pas de problème. Quelle est la chose que tu aimerais changer chez toi? Mon nez. D'accord. Quel est l'artiste le plus célèbre que tu aies rencontré? Je sais que j'ai rencontré Corneille. D'accord. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite dans ta vie? Soit en parachute. Ah ouais, pas mal ça. Ah, j'ai une grosse peur. Ouais, j'ai une grosse peur quand même. Tu m'étonnes. Et si tu avais la possibilité de changer une chose dans ce monde, ce serait quoi? La haine des gens. Ouais, n'est-ce pas, hein? Love. Plus vraiment... d'amour, ça ferait du bien. Attends, love, trahison. Il est chaud. Ah oui, non, Dani est toujours chaud, lui. Quelle est la chose que tu aimes le plus chez toi?
Mon sourire. Ok. Quelle est ta plus grande peur? Les clowns. Ah ouais? Ah ouais, j'ai une phobie des clowns. En fait, c'est une petite histoire, c'est parce que quand j'étais petit, j'ai regardé ça à l'ancienne. Ah ouais. Et mon frère m'a forcé à regarder ça, ce film-là, qui s'appelait Il est revenu à l'époque. Et j'ai eu une peur terrible, et depuis, j'ai peur des clowns, mais je ne les supporte pas. C'est plus possible. Moi, t'es pas le premier à me dire que t'as peur des clowns. Moi, ça me rassure, au moins, c'est banal, c'est commun. Il y a plein de gens qui ont peur des clowns. C'est assez commun, il y a plein de gens, oui. Oui, oui, effectivement. Et si tu devais choisir un repas pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Des lasagnes. Ok. Et petite question bonus. Quel est le mot que tu n'as jamais su prononcer et que tu n'arrives toujours pas à prononcer jusqu'à maintenant? Ah, il n'y en a aucun. Enfin, je pense pas. Parce que quand j'étais petit, ouais, j'avais du mal. Mais je pense qu'à force... donne-moi en un, tiens, pour voir. C'est un mot compliqué. Celui que toi, tu n'arrives pas à prononcer. Moi? Non, j'en ai pas non plus. Il y a un mot qui est très long, c'est anticonstitutionnellement, qui est un petit peu, voilà. Mais long, autrement, ouais. Tiens, non, ça va. Le nom de l'émission, parce que apparemment, il y a des gens qui ne savent pas prononcer. C'est vrai que il a la langue imaille quand il prononce un peu le nom de l'émission. Hein, oui, Tropical tiens. Night Live Tour. C'est pas. Tropical Live Night Tour. Ah. Non. Ah, bon, ben voilà. On l'a trouvé. On l'a trouvé, ben voilà. Tropical Night Live Tour. Ah. Ouais, voilà. Ok, j'ai inversé. Je suis dyslexique des fois, faut pas. Non, super. Et ben voilà. Merci d'avoir répondu. Ben merci, Leslie. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Ah ouais. Merci en tout cas, Leslie, pour le Zoom avec Tyrone. Merci, Yannick. Merci. D'ailleurs, Tyrone, parce que tout à l'heure, on a un petit extrait de Love ou Trahison. D'ailleurs, c'était justement lors de l'interview l'année dernière, je crois. Hein, ça remonte. Ouais, ça fait un peu plus, non? Ouais, c'était pas en 2021. C'était pendant le confinement, je crois. Ah ouais? Je crois, hein. Ou alors je suis Nemo. je suis Dory. J'ai un petit trou de mémoire, mais pour moi, il me semble que c'est c'était il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans. Bon, bah écoute. Alors, Dani. Alors, Tyrone, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bon. Hein. Ah, bon. Alors, bah, justement, lors de la dernière émission, donc la présentation du titre Love ou Trahison, d'ailleurs, un petit rappel de ce titre, de cette histoire, d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, tu avais parlé de la haine des gens, donc peut-être il y a un rapport avec ça. Hein. Non, pas vraiment, parce que là, j'ai dit la haine des gens, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait l'actu en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, entre autres. Ouais. Mais après, effectivement, ce son-là, il était tourné plus dans Love ou Trahison. Il faut savoir faire les bons choix et savoir se dire que des fois, on a peut-être fait n'importe quoi et se dire que c'est pas bien ce qu'on a fait et être honnête avec soi-même, quoi. C'est ça. Moi, tout le temps, je dis à Leslie, c'est fini, hein. Mais il a toujours. Arrête bon. Un peu, Dani. Ne cherche pas. Ok, d'accord. Vas-y, Leslie, défends-toi. C'est très bien de quoi je suis capable. Allez. Ouais, c'est ça. Non, mais je me mêle plus, par contre. Voilà, c'est ça. Non, mais comme dirait Warren, ça sera la roue Twan. La roue qui Twan. Elle est longue, cette alors, fois. Et du coup, Leslie, tu peux prendre tes clés et ta valise. Ok, y a pas de problème. Non, je plaisante. Et tu laisses les Louboutins, c'est ça? Et les Louboutins, au passage. Bon, on se plaisante, tu fais ce soir. Alors, donc, le titre Love ou Trahison, donc on joue avec Amy d'ailleurs, qu'on salue de passage. Je vais faire un bisou. Un petit extrait d'ailleurs de ce Love ou Trahison? Bien sûr. Love ou trahison, on aurait dû faire le bon choix. Et des histoires, il y en aura d'autres. Et on aurait dû faire le bon choix. Je te dis merci pour tout ce que t'as fait. Je te dis merci. Je relève la tête. Je te dis merci pour tout ce que t'as fait. Merci, merci. Ah, ça c'est bien. Ça j'adore. On adore.
Et merci. Bravo. Merci, merci. Voilà, maintenant Leslie, le titre, ouais, c'est bon. Alors on va parler de, des choses sérieuses là. Allez. Allez, let's go. Après Love ou Trahison, donc deux titres, hein, notamment donc le premier titre cette année, on joue avec Jellica. C'est ça. Ouais, Jellica. Jellica. Ouais. Donc comment ça s'est passé justement la rencontre avec elle? Alors la rencontre s'est faite tout simplement parce qu'en fait mon réalisateur, celui qui réalise mes clips, m'a dit qu'il avait sa cousine qui chantait et que elle était plus ou moins, elle aimait bien ce que je faisais et qu'elle aurait aimé faire un truc avec moi, et moi je lui ai donné l'occasion de le faire. Donc j'ai écrit ce titre là et on a été opposé au studio, ouais, c'était cet été, et puis le son était plus ou moins bon. Et du coup, on l'a clippé peut-être une semaine et demie après. Ouais. Et puis ça a donné ça. Et je suis très fier de ce titre. J'aime beaucoup ce titre. Il est un peu plus balancé que ce que je fais d'habitude. Mmh. Et ça a donné mon petit ouais, c'est bon. Voilà, qui est une histoire. On parle plus ou moins de des couples qui se fritent en tout temps pour tout et n'importe quoi, et des crises de jalousie aussi. Ouais. Et voilà quoi. D'accord. Donc, ça a donné ça. Ouais, c'est bon. Et justement, le clip, c'est qui a réalisé le clip? C'est Marlon Phillips. Donc tu bosses. Qui est du coup le cousin de Jellica. Ah, ça c'est bien ça. Donc Marlon, bientôt je viens à Paris. On va refaire un clip ensemble, justement avec Tyron. Donc ouais. Voilà, c'est le prochain titre, le prochain Joe, ça sera oui, n'a pas bataille. Ça sera la ça sera la version 2 de ouais, c'est bon quoi. La version ouais, ouais, c'est bon 2.0. Bah, Leslie, pourquoi tu regardes comme ça, Leslie? C'est vrai, ouais, c'est bon. Oh, mais j'ai rien dit. Je n'ai rien. Mais ton regard. Ouais, mais tu n'en penses pas moins. Ouais, c'est ça. Donc Marlon. Ça se voit, Leslie. Donc Marlon, on te fait quand même un coucou et bientôt je viens à Paris. Ouais, je vais faire un gros big up. Voilà, coucou. Et puis on vient à Paris, là on va faire un petit clip. Non, bah, peut-être toi tu viens à La Réunion, on va faire un clip. Voilà, des passages. Ouais, c'est bien aussi ça. Ouais, c'est ça, c'est bien. On va ouais, faire... ça serait bien. Hein. Voilà, bah, Tyron, tu vas faire un clip sur la nouvelle route du littoral. D'accord. Bah oui, il y a les jeunes en ce moment. Ah, t'as vu la petite... Dani, arrête, fais honte le monter. Non, mais t'as vu tout à l'heure, m'a l'a vu quand même dans l'actualité que justement on avait des jeunes oui, qui l'ont sauté. Complètement fou. Complètement fou, quoi. C'est bien ça. Ils ont fait quoi? Ils ont plongé dans. Ils ont sauté depuis la nouvelle route. Depuis la nouvelle route, en fait. Ouais. Ouais. Et ça, c'est bien pour Tyron, ça, pour le prochain clip. Ah, tu veux que je fasse partie des fous qui sautent, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, il trouve toujours un scénario, quoi. Bon, allez. Ces scénarios, ils sont bizarres. Hein. Oh mon dieu, ouais. Et, bah écoute, c'est Tropicana et Light 4, une équipe complètement banjo. D'ailleurs, donc, les lieux du tournage de ce clip. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, il a été tourné dans la maison d'un très bon ami à moi qui s'appelle Didier Willay, enfin de sa famille en tout cas, qui a eu la gentillesse de me prêter les lieux. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou, je les remercie beaucoup parce que dès que j'ai vu la maison, je suis tombé amoureux. Et on a eu la chance qu'il fasse très très beau ce jour-là. On a pu utiliser vraiment toutes les belles couleurs. Ça ressort bien de toute façon sur le clip. Et pourtant, il faisait très 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 chaud. En plus, comme de par hasard pour ce clip-là, on a eu un sponsor. Cognac Paris qu'on a eu l'occasion de déguster pendant le tournage, et avec la chaleur, mais ça fait pas bon ménage pour certains. Bah oui. Bah écoute, hein, toi aussi, franchement. Bah, oh, c'était quand même sympa. Pas mal. Oui, c'était quelque chose. En plus, on était une bonne vingtaine. C'était super sympa. C'était bon enfant. C'était un peu une ambiance collégiale. C'était super cool. Mm. Bon. Alors, petit extrait d'ailleurs de en a cappella de ouais, c'est bon, et puis il balance le clip juste après. D'accord, petit accompagnement. Ça marche. C'est bon, vas-y. À chaque fois que je tombe dans ton piège, alors je suis censé me barrer. Pas cette fois. Plus d'écouter, y a plus de toi et moi, ce n'est plus pareil. Y a trop de mensonges entre nous. Tournons la page et puis c'est tout. Pour moi, j'en ai fini, c'est clair. Y a pas de retour en arrière. Oui, j'ai vu toutes tes manigances et tous me parler de confiance. T'es trop chelou, je suis trop méfiant. Et mon cœur n'est plus depuis longtemps.
Non, non, ouais, c'est bon. Sans moi, tu peux tirer une croix. Ouais, c'est bon. J'ai fait mon choix. Ouais, c'est bon. Et ce choix, ce n'est pas toi. Ouais, ouais, c'est bon. Tu peux t'en aller. Non, non, ouais, c'est bon. Sans moi, tu peux tirer une croix. Ouais, c'est bon. J'ai fait mon choix. Ouais, c'est bon. Et ce choix, ce n'est pas toi. Ouais, ouais, c'est bon. Tu peux t'en aller. Ok, bah j'y vais alors. Ah. Allez, on regarde. Attends, moi je reste. Ok, c'est bon, si tu veux. De toute façon, oui, c'est... Leslie reste avec moi. Voilà. Le jeu de mots. Allez, à tout de suite, on regarde le clip et on revient juste après. Passé toute la nuit avec moi. Je ne comprends plus rien, mais je prends sur moi. Je fais semblant, j'essaie. Je n'y arrive pas. Tu sais que je t'ai cramé, là tu reviens vers moi. T'as beau me dire, mais je suis désolé. Que de mes bras seuls tu veux t'enivrer. Que de mon corps tu ne peux plus te passer. Je n'ai plus besoin de toi, c'est terminé. Non, non, non. Sur moi tu peux tirer une croix. Ouais, c'est bon, j'ai fait mon choix. Ouais, c'est bon. Et cette chose n'est pas toi. Ouais, ouais, c'est bon, tu peux t'en aller. Non, non, ouais, c'est bon. Sur moi tu peux tirer une croix. Ouais, c'est bon. J'ai fait mon choix. Ouais, c'est bon. Et cette chose n'est pas toi. Ouais, ouais, tu peux t'en aller. À chaque fois, je retourne dans ton piège. Alors je suis censé me barrer. Pas cette fois, je suis dégoûté pour toi et moi. Ce n'est plus pareil. Y'a trop de mensonges entre nous. Tournons la page et puis c'est tout. Pour moi j'en ai fini, c'est clair. Y'a pas de retour en arrière. Oui j'ai vu toutes tes manigances. Et tous me parler de confiance. T'es trop chelou, j'suis trop méfiant. Mais mon cœur n'est plus depuis longtemps. Maintenant c'est bon, j'suis blasé de tout ça. J'connais la chanson, tout est brisé. Ton temps est écoulé. Quand t'as fini, dépose les clés. Ouais, c'est bon. Sur moi tu peux tirer une croix. Ouais, c'est bon. J'ai fait mon choix. Ouais, c'est bon. Et cette chose ce n'est pas toi. Ouais, c'est bon, tu peux t'en aller. Non, non, ouais, c'est bon. Sur moi tu peux tirer une croix. Ouais, c'est bon. J'ai fait mon choix. Ouais, c'est bon. Et cette chose ce n'est pas toi. Ouais, ouais, c'est bon. Tu peux t'en aller. Là, tu verras. Toujours à moi tu disais, et tu t'es trompé. T'étais trop sûr de toi, t'es tombé dans les mailles du filet. Tu peux t'en aller, t'en flamme pas tu verras. Tu seras toujours à moi tu disais, mais tu t'es trompé. T'étais trop sûr de toi, t'es tombé dans les mailles du filet. Tu peux t'en aller. Avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Ouais, c'est bon. Allez, hein, Leslie, c'est ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. T'enflamme bon. Pas. Hein. C'est bon. T'enflamme pas, s'il te plaît. Hein. Tu te calmes. Allez, le rendez-vous jeu avec Leslie. D'ailleurs, pour ce soir, il y en a des cadeaux à gagner. Hein, Leslie. Oui, évidemment, on a toujours des cadeaux à vous offrir, hein, parce qu'on est sympa. Voilà. Enfin, ce qui paraît.
Enfin, moi, je suis sympa, Dani, je sais pas. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Non, si vous êtes tous sympas dans l'équipe. Pour ouais. Une fois que c'est moi qui dis un truc méchant à Dani, non, c'est pas vrai, Dani. Tu sais que je plaisante. Je plaisante. Non, c'est bon. Tu le sais. Non. Love, trahison. Eh, prends pas gros qu'il y a Dani, s'il te plaît. Hein. C'est pas comme si avec moi. Hein. Non, c'est bon. Je te trahis maintenant, c'est bien. Non. Non, c'est bon. Il y a trop de haine, il y a trop de haine, c'est bon. Ouais, comme, c'est clair, il y a trop de haine entre nous. Oui, il y a trop de haine entre nous, ouais, c'est ça. Mais des fois, l'amour et la haine, hein, c'est très proche. En part, hein, donc on se demande en fait, hein, qu'est-ce qui se passe. Non, et c'est bon, on va se calmer, hein, c'est bon. Non, ben c'est bon quoi. Ouais, c'est bon. Ah, bon, t'as fait une croix, Leslie, c'est bien. Allez, ouais, le rendez-vous jeu de ce soir, Leslie. Alors, oui, donc comme je disais, on a toujours des cadeaux à vous offrir. Donc notamment un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all inclusive à l'hôtel Peninsula Bay à l'île Maurice. Et oui, vous avez bien entendu, à l'hôtel Peninsula Bay à l'île Maurice. Et pour participer, eh bien, il vous suffit d'envoyer le mot voyage par SMS au 80 90. Vous envoyez le mot voyage par SMS au 80 90. Et puis, il y a aussi 3 séjours pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif à gagner. Donc, pour cela, vous envoyez le mot récif par SMS au 80 90. Récif au 80 90. Et surtout, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à notre règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Merci en tout cas. Moi j'ai une question. Oui. J'ai une question. Si les gens ne savent pas écrire récif, ça se passe comment ça? R-E-C-I-F. Voilà. Et non, le mot pas. Voyage, V-O-Y-A-G-E. Ah, c'est pas au pluriel. D'accord. Non, c'est bon, Taïwan, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais appeler à chaque fois. Non. Mais... C'est ça. De toute façon, avec la run, c'est ce qu'il reste. Ah. C'est ce qu'il reste, franchement. Oui, ce qu'il reste, franchement. D'ailleurs, le titre, d'ailleurs, c'est ton nouveau titre, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est grosso modo, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui se met en couple avec une autre personne et qui se rend compte que malgré plein d'efforts, tout ça, ben il n'est pas tombé amoureux, mais il gardera toujours en mémoire les moments passés avec. En fait, j'ai une histoire qui se termine bien, mais ben, c'est fini quand même, quoi. Donc, ça reste une histoire passée. Et voilà, ça raconte ça, en fait, l'histoire, le texte. D'accord. En fait, c'est un peu la suite de Love ou Trahison, quoi. Bien regardé, non? Plus ou moins, ouais. Parce qu'à la fin, effectivement, on se sépare parce que ben on se rend compte qu'on ben, ça matche pas. Mais il faut être honnête avec soi-même et poser des mots sur des mots et voilà. On a toujours tendance des fois à se dire je t'aime, mais des fois on ne pense pas et on se rend compte que l'amour c'est pas comme ça. Et ben, non, mais en fait, je t'aime pas comme il faut aimer. Je le voudrais. Voilà. Donc du coup, ben, je t'aime pas. Je t'aime pas encore malgré tous les efforts que je peux faire. Ça, je t'aime pas. Voilà. En gros, hein, c'est brut, hein. Mais des fois, il y en a. Il faut que des relations se terminent des fois mal pour qu'ensuite ça se termine bien. Ou tu vois, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Mais au moins, les choses sont claires. Et puis après, il y a pas d'ambiguïté. Il y a pas de cancan. Il y a pas de. Il n'y a pas de tout ça, on est des êtres humains avant toute chose et des expériences il faut en avoir. Voilà, on croit aimer mais on n'aime pas et c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas l'humanité chez quelqu'un ou la bonté chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Oh non, rien à voir. Voilà. Et donc là, c'est en solo que tu fais cette chanson. Et pourquoi pas pourquoi t'as pas fait un duo? Alors j'ai pas fait parce que j'ai beaucoup de trucs qui sont en train de se passer et du coup je pouvais pas me permettre pour moi c'était pas pertinent de le faire surtout avec ce qui va arriver. Voilà, ça a été un choix vraiment perso et surtout qu'après ben ce son là je l'ai fait plus ou moins avec ma moitié qui m'a beaucoup aidé sur ce titre et c'était pour en même temps lui faire montrer que le travail paye et que on peut arriver sur une idée basique à la maison posée avec en faisant un petit apéro entre nous que voilà on rigolait sur quelque chose et puis finalement on a abouti à ça qui a abouti au studio qui a abouti au clip et qui a abouti à tout ça.
Faudra, voilà. Leslie, il faudra qu'on fasse beaucoup des apéros avec Tyrone. Hein, au moins on a pas mal d'idées. Ouais, franchement. Oui, on rigole bien avec moi, je vous rassure. Ouais, ouais. Avec nous aussi, tu verras. Ah, mais je n'attends que ça. Parce que des fois, quand je regarde vos émissions et que je vois que on raconte une histoire style paf le chien et que ça rigole à tout va pendant 10 minutes sur cette blague, oui, on peut que s'amuser avec vous et je confirme. J'ai hâte de passer du moment avec vous. Bah écoute, c'est ça le but. Est-ce que tu peux faire un petit a cappella de cette chanson d'ailleurs, ce qu'il reste? Bien sûr. Tout a commencé, on s'est embrassé, on aurait pu tout affronter. Pourtant je me suis senti piégé, contre toi tu m'as serré. J'étais en sécurité, et tes cinq contes de fées, ou bien la réalité. C'est ce qui reste de notre amour, tous ces gestes gravés pour toujours. On a passé du bon temps et des bons moments, mais ce que je ressens depuis tout ce temps n'est pas assez fort. Je ne t'aime pas encore depuis le temps que l'on sort ensemble malgré tous mes efforts. Ah. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. On regarde. Ça, c'était pour toi, Leslie. Oh, merci. Petite dédicace. Tout à fait. Non, je raconte notre histoire, je voulais pas trop le balancer. Ah, on n'est pas en off. Ouais. Hein. Ah, non, on va balancer le clip d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Avec plaisir. On aurait pu tout affronter. Pourtant je me suis senti piégé. Contre toi tu m'as serré. J'étais en sécurité. Et tes cinq contes de fées, ou bien la réalité. Si je pouvais vivre l'instant passé avec moi, si je pourrais garder les sentiments que j'ai pour toi, vivre ces instants passés toi et moi. Et si on pouvait arrêter tout ça et se dire qu'il n'y a pas de toi sans moi. Je sais que ça te blesse, mais tu sais que j'ai aimé tes caresses. Je sais que ça te blesse, mais tu sais que j'ai aimé tes caresses. C'est ce qui reste de notre amour, tous ces gestes gravés pour toujours. Ce qui reste de notre amour, tous ces gestes gravés pour toujours. On a passé du bon temps et les bons moments, mais ce que je ressens depuis tout ce temps n'est pas assez fort. Je ne t'aime pas encore depuis le temps que l'on sort ensemble malgré tous mes efforts. Pour tout ce qui reste de notre amour, pour tout.
équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM, ce soir, Télé Créole, avec Leslie. Ça va toujours, Leslie? Ça va toujours, nickel. Avec Tyrone également ce soir. Ça va, toujours Tyrone? Ça va, ouais. Dans un instant avec Warren également en deuxième partie de l'émission. Alors donc, d'ailleurs, on est bien, on regarde le clip, ce qu'il reste. Hein, donc, très très beau clip en tout cas, Tyrone. Très belle chanson. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche. Ah, bah voilà, c'était. Alors donc, tu disais que c'était l'histoire de Leslie, c'est ça? Ouais, c'était. Je pensais qu'on était en off, effectivement, c'est l'histoire de moi et Leslie, mais. C'était pour te faire une piqûre de rappel, Dani, parce que je te l'ai laissé, mais il n'y avait pas de problème. Tu vois, juste prends-en soin, c'est un petit bijou quand même, Leslie. Ah, voilà. T'as vu comment c'est rougi ce soir? C'est bien. C'est merci. C'est la première fois que je vois. Leslie rougir. Oh bon. Non, arrête de dire n'importe quoi. Tu vois rien du tout, Dani. Mais c'est ça. Tyrone, d'ailleurs, donc on va parler un petit peu de tes projets, justement pour cette fin d'année 2022, début 2023. Ça s'annonce comment, là, tes projets? Alors, pour le moment, on va rester sur ce qu'il reste pour la fin d'année. Puis ensuite, 2022, il y a 2023. Un nouveau titre qui va arriver pour annoncer l'arrivée de mon album. Qui est prévu en février 2023. Ouais. D'où notamment donc voilà. le duo que je vais faire avec Tyrone. Exactement, mais ça on avait que c'était une surprise. Pourquoi tu balances des choses comme ça, Dan? Écoute, tu vois, comment est-ce que tu veux qu'on ait un effet de surprise pour surprendre les gens si tu balances tout? Bah, de la vie, il faut tout balancer, hein, franchement. Bah voilà, t'aimes pas. Hein. Dani, il faut rien lui dire. Non. Ouais, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Donc, un album prévu pour février 2023, en tout cas. Donc, avec pas mal de surprises également. Et côté scène, d'ailleurs, donc, il y a des scènes prévues, là, pour cette fin d'année? Eh ben, justement, pour, à l'occasion de la sortie de cet album, je chante, entouré de Milka, vers Colmar. Ouais. Pour la fête du combat. Ah. Qui va annoncer l'arrivée de l'album, et puis ensuite, une petite tournée qui est prévue. On attend juste la confirmation de certaines dates, mais on va faire le tour de la France, en tout cas, ça c'est sûr. On essaie de voir pour aller aux Antilles cette fois-ci. D'accord. Bon, bah voilà, hein, quand même, ce petit projet à venir. En tout cas, bon, n'hésite pas à revenir dans l'émission, hein, donc c'est avec plaisir. Avec plaisir, on se sait déjà. Et puis voilà. Bon, en tout cas, petite coup de cœur également. Donc, j'ai vu une vidéo avec toi et Amy sur la chanson de Midi Custos. Ah. Effectivement, on s'était amusé à faire cette nuit avec Amy lors d'un petit concert intimiste. Et c'était cool, bon, c'était un bon moment. Bon, en tout cas, Midi Custos a vu la vidéo. Hein. C'est vrai? Ouais, je balance c'est tout. C'est ça, ça lui a plu. Oui, bah, je balance tout. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc, dans un instant avec Warren. Tyrone, est-ce que tu as des remerciements à faire, justement? Ben, je remercie toute l'équipe de Tropical Night Live Tour. Ah. Dani, Leslie, merci pour cet accueil, merci pour ce petit Zoom. C'est une passée ensemble, c'était super sympa. Comme d'habitude, ne changez pas. Merci à toute la réunion et merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis merci aussi à Warren d'avoir été là, enfin d'être là avec nous ce soir. Oui, Warren. Genre comme si j'ai dit ça comme si t'étais pas là déjà, alors qu'il était déjà parti, mais non, il suit. Il est là. Donc big up à lui en tout cas. Voilà, merci en tout cas Tyrone, plein de bonnes choses également. Ouais, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain album. Les bons? Avec plaisir, ça marche. Merci. Allez, ciao, bye. À bientôt. Allez, bisous. Merci, allez, bonne route à toi. Allez, ciao, bye. Par la suite, Leslie, on fait un petit rappel de jeu et puis on va démarrer avec Warren pour le Zoom à Zoom de ce soir. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tout à fait, allez, c'est parti. Hein. Bon, comme d'habitude, on vous offre plein de cadeaux parce qu'on aime bien ça. On est sympa. Et notamment un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all-inclusive à l'hôtel Peninsula Bay à l'île Maurice. Et pour participer, eh bien, il vous suffit d'envoyer le mot voyage par SMS au 80 90. Voyage par SMS au 80 90. Et puis vous avez aussi 3 séjours pour 2 personnes plus petit déjeuner inclus à remporter
à l'hôtel Le Récif. Donc, pour tenter votre chance, envoyez le mot Récif par SMS au 80 90. Récif par SMS au 80 90. Et puis, évidemment, c'est important, allez faire un tour, voir notre règlement de jeu sur www.tropicalnight.re. Ça s'écrit comment, Récif? R-E-C-I-F. Voyage, V-O-Y-A-G-E. Je me croirais dans Motus. C'est ça. Et ben voilà, on a tout dit. D'ailleurs, faudra qu'on fasse un Motus. On a tout dit. Voilà, faudra qu'on fasse un Motus vraiment spécial réunion, quoi. Si tu veux, ouais. Ouais, ça doit être marrant. Warren, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux, voilà, juste te mettre bien devant la caméra pour qu'on te fasse un petit zoom à zoom avec toi? Et si tu peux activer ton micro également. Voilà, donc je me rappelle quand même le numéro du standard, les amis, 0693-488-996, 0693-488-996, le numéro du standard, si tu veux appeler ce soir, ou bien sur le 0692-170-862, également via les directs Facebook, hein, notamment donc sur Télé Créole FM également, officiel, et également pour cette écoute à nous, sur les fréquences de Créole FM d'ailleurs, donc soyez les bienvenus, hein, pour ça qui arrive en tout cas pour ce soir. Donc ce soir en compagnie, yes, de Leslie, hein, Leslie qui rougit depuis tout à l'heure. Mais arrête, Dani. T'as vu, en plus c'était l'histoire. C'est toi qui me mets mal à l'aise. Ah bon? Bah c'est bon, bah je te laisse avec Warren alors, si je te mets mal à l'aise. Voilà. Oui, moi, c'est ça, vas-y, laisse. Moi je prends mes valises. D'ailleurs, on part sur le standard ce soir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien? Ah, moi, mais il est bien, merci, ou même? Et là, il est. Miwa, vous êtes bien, vous êtes en forme. C'est les arts. Ben, ça, c'est quelqu'un à la ravine des Cabris, appelle à votre là. Ah, quelqu'un à la ravine des Cabris. Bonsoir. Quelqu'un à la ravine des Cabris, là, pour un prénom, ça alors? Marie-Jocelyne. Ah, Marie-Jocelyne. Bah alors, Marie-Jocelyne. Bon, ça va, on est bien, tranquille alors, pour ce soir? Elle est bien tranquille, et voilà. En bonne humeur, mon club, mon équipe l'a gagné, ben mal est content, voilà. Haute équipe, c'est-à-dire, explique-nous un petit peu. Paris Saint-Germain, mon noir. Ah, Paris l'a gagné. Non, mais même ils suivent pas trop, moi, tu vois, donc moi, ils suivent, tu joues à la roue, mais la roue, il tourne beaucoup. Ben la roue, il tourne. Ah bon. Ben d'abord, là, on avait un petit bonsoir, ben pour tous les supporters à Paris Saint-Germain. Et ben un petit bonsoir spécialement pour toi aussi. Merci, je souhaite une bonne soirée, bonne continuation à vous. Ah ben merci en tout cas, Marie-Jocelyne. C'est ça, Marie-Jocelyne, hein? Oui, Marie-Jocelyne, comme le monsieur Sample Sega. Marie-Jocelyne. Ah ben tant qu'il y est, ben chante tous les morceaux, tant qu'il y est. Ben oui, fais-nous un festival, ben, voilà, de chansons ce soir. En tout cas, Marie-Jocelyne, bisous à toi, très bonne soirée, et puis chef, suivez-nous sur la télé. Les bons. Bonne soirée, également. Bonne semaine, et à dimanche prochain. Bah oui, dimanche prochain, nous les du côté de l'hôtel à l'Amanda. Les bons. Mais bon, ben moi, la ravine de Cabri, mais bouge pas, moi. Je reste la même, à la télé, mais téléphone, passe un petit bonsoir. Nous bougeons souvent, nous les comme un SDF. Mais nous est toujours la même. Voilà. En tout cas, Marie-Jocelyne, c'est une bonne soirée. N'oubliez pas, un petit bonsoir aussi pour le président Thierry Arraye. Voilà. Bon, il était là pour son anniversaire la semaine dernière. Non, papa, c'est trop loin. Trop loin, Rochon est trop loin. La ravine des Cabris, pour aller là-bas, là. Alors. Après, pour retourner, tout ça, là, non. Prochaine fois. Bon, prochain coup, ça sera l'anniversaire de la radio. Ben, n'ira pas, un anniversaire radio. Ah, ben, elle est bon, alors. Bon, en tout cas, Midio, bonne soirée. Et puis, on retrouve Marie-Jocelyne. C'est bon? À bientôt. Allez, à bientôt. Allez, ciao, bye. Bisous à vous deux. Merci. Allez, bisous, bye. Bisous. Allez, il y a un fait bisou, lui. Trop sympa. Allez, trop sympa, Marie-Jocelyne. Warren, en tout cas, pour ce soir, les amis. Bonsoir, Warren, ça va? Bonsoir. Merci à vous de me recevoir. Ah, bah, il n'y a pas de souci, hein. Faudra nous tout y mettre, nous, en voiture. Prochain coup, nous fait ça. Oui, faudra nous tout faire. Non, mais les vrais, en plus, ça donne un concept, tu vois. Donc, parce que tout à l'heure, on était en train de oui, parler. Oui, non, mais en plus, moi, j'aurais pu vous inviter dans ma voiture. Hein.
Ah ben, il y a de la place, hein. Ah, ben en plus, voilà. Bon, en tout cas, merci en tout cas, Warren, pour ben justement pour cette émission. D'ailleurs, ben, Leslie, on va démarrer déjà avec le Zoom à Zoom et puis on va poursuivre avec l'interview de Warren juste après. C'est bon? Ouais, ça marche, allez. Fais rouler. Let's go. Bon, alors, Warren, le Zoom à Zoom, le principe, c'est que je te pose des questions et tu y réponds le plus sincèrement, le plus rapidement possible. Voilà. C'est dans l'objectif d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Ouais, mais t'es sûr que tu veux jouer à ça avec moi? Parce que moi, je dis, je suis réputé pour être sans langue de bois. Hein. Pas de souci. Ça pourrait se retourner contre toi. Hein. Non, non. Alors, Leslie, hein. J'ai même pas peur. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Voilà. Okay. Y a pas de souci. Allez, parti. C'est parti. Si tu pouvais emmener une personne et une seule en voyage, quelle serait-elle? Ma fille. Es-tu plutôt du matin ou du soir? Du soir. Ok. T'as Quel dit... est l'objet dont tu ne te sépares jamais? Ah, bien. Ah, c'est bien. Quelle est la chose que tu aimerais changer chez toi? Mon caractère. Ok. Quel est l'artiste le plus célèbre que tu aies rencontré? R. Kelly. Ok. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite dans ta vie? Partir à l'aéroport et me dire je prends le prochain vol avec un sac à dos. Quelle destination J'en avais aucune. J'arrive et je regardais le. Arrivé à l'aéroport, je regarde le tableau et je regardais le prochain vol et le premier qui me parlait, je prenais un billet et je pars. Ok. C'est top ça. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Ouais, c'est très donnes... intéressant. Tu nous donnes des idées là, Warren. Ouais, j'imagine, ouais. Ah ouais, c'est une très bonne idée, ouais. Ouais, c'est très intéressant. En termes de lâcher prise, c'est très intéressant. Bah oui, j'imagine bien, oui. Ça doit faire un bien fou, n'empêche. Hein. Ouais. Bah, en faisant ça, j'ai atterri au Vietnam. Ah ouais, quand même. Ouais. Et t'es resté combien de temps? Une semaine. Eh ben, dis donc. Je sais pas. Faut avoir du courage aussi de faire ça. Hein. Quel courage? Bah, je sais pas. Faut y arriver, quoi. C'est pas tout le monde qui y arriverait. C'est accessible à tous, je pense. Ah oui, c'est accessible à tous, mais alors on n'est peut-être pas tous prêts à le faire. Il faut le vouloir, il faut avoir envie de vivre, voilà. En fait, d'essayer des choses. Exactement, c'est ça. Et si tu avais la possibilité de changer une chose dans ce monde, ce serait quoi? J'aurais réinitialisé l'être humain. Carrément. Ouais. En quel mode? C'est un long débat, hein, vraiment. Mais déjà, si je pouvais avoir ce pouvoir-là, ouais, réinitialiser l'être humain, moi y compris, hein. Oui, bah, logique. Ouais, ok. quelle est la chose que tu aimes le plus chez toi? Mon sourire et mes fossettes. Okay. Bon, mes fossettes. Ok. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Si tu en as. Le jour où je ne pourrai plus voir mes filles. Ok. Si tu devais choisir un repas enfin, pour le reste de ta vie. Je m'explique. Hein, le jour où je ne pourrai plus voir mes filles, ben, forcément, je partirai un jour et elles continueront à vivre. C'est le cycle de la vie. Bah, de toute façon, en même temps, le jour où je ne pourrais plus les voir, c'est que je serais mort, donc j'aurais plus d'émotions pour faire de l'humour. Mais en fait, voilà, tout ça pour dire que ouais, c'est un plaisir de me réveiller tous les matins et de voir mes filles. Ouais, t'as bien raison, je te comprends. Et si tu devais choisir un repas pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Le kalalou. Le kalalou, c'est un repas traditionnel guyanais à base d'épinards, de gambo. On met du crabe dedans, des crevettes et du poulet boucané.
Ah. Et du bœuf salé, bon, des queues de porc des fois. Moi, j'en mange pas, donc du coup, je fais sans porc. Mais voilà, si je devais manger un truc tous les jours, c'est ça. Ok, à tester, Dani. Hein. Note. Ok, je note. Et la question bonus, quel est le mot que tu n'as jamais su prononcer et que tu n'arrives toujours pas à prononcer jusqu'à maintenant ? Aucun. Et ben voilà. Comme tout le monde, hein, Dani, voilà. Je suis sûr que Dani, lui, il a des mots qu'il n'arrive pas à prononcer. Si. Non, mais essayez, testez. Après, on peut tester, bien sûr. Hein. Mais je pense pas qu'il y en ait. Ah tiens, le nom de l'émission. Tropica Night. Pardon? Live Tour. Le nom de l'émission, Tropica Night Live Tour. Tropical Night Live... Ah, ah voilà. Tropical Night Live Tour. Ah, ça c'est bien. En deux temps. Bon, en tout cas, merci pour le Zoom à Zoom, Leslie et soucis. Warren, pour ce soir. Mais de rien. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon, l'heure est courte très très vite, les amis. Oui. Le plaisir est partagé. Hein. C'est ça. Donc, Warren, d'ailleurs, donc très très connu à La Réunion, d'ailleurs. Hein. Oui, ouais. Évidemment. Ouais, je suis venu plein de fois à La Réunion. Ouais. Et du coup, ça s'est passé comment t'as vécu enfin, je sais pas, c'est toujours un merveille. Hein. J'ai une relation très particulière avec le public réunionnais. Cette histoire a commencé déjà il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans avec cette chanson-là. My life, tu as brisé mon armure, fais de moi ton futur, je peine, je le jure, à m'éloigner de toi plus, pend ces impurs, le coup banni t'injure, je changerai d'allure pour rester avec toi. Mes baggy, mes Nike, mes montres, mes bijoux, mes piercings de lascar et tous mes tatous. Pour toi de passer pour un sentimental, plutôt que d'avoir mal. Oui, mais je sais que je peux tout changer. En vivant à tes côtés, je serais bon à aimer. Ah, bon, on peut continuer. Ah bah oui, ah là. Bon, on a jusqu'à 22h le concert. Alors, à partir de cette chanson-là, je crois que mon histoire d'amour avec La Réunion a commencé avec cette chanson, à fleur de vous. Et puis après, ben, on a appris à se connaître, on s'est jamais quitté, hein, en vérité. C'est ça, en vérité. Donc ça enchaîne avec les tubes. Mais juste avant. D'ailleurs, on va repartir un petit peu plus sur ton parcours, hein. Vraiment un petit peu plus en arrière. Donc la musique, ça a été toujours ancré, hein. Donc parce qu'avec ton père est guitariste et ta mère chanteuse, donc c'est quand même exact. C'est quand même une famille vraiment musicale. On va dire, et tu joues aussi de la guitare ou pas? Ouais, je joue de rien du tout en fait. Donc t'as pas. Mais après, je pianote. Ouais. Je pianote. Mais non, je joue de rien du tout. D'accord. Je joue de mes cordes vocales et c'est de déjà mon inspiration. Bien. Et de mon inspiration. C'est déjà pas mal, hein, parce que bon, du coup, piano, moi, je sais pas jouer du piano ni de la guitare non plus. Et donc, c'est vraiment une histoire de famille et également de passion pour la musique. Ben, des deux côtés, hein, maman chanteuse, papa guitariste et chanteur, frères et sœurs musiciens, des cousins, des oncles, enfin, ça se contente pas seulement à mes parents. Mmh. On est une grande famille de musiciens, chanteurs, sur plusieurs générations même, je dirais. Et c'était normal que je devienne chanteur, musicien ou choriste même. Mais après que j'en fasse une carrière, j'étais pas sûr de ça, non. Et à certaines époques, d'ailleurs, si je te dis Bobby Brown, ça te parle? Bien sûr. Et c'est là que tout a vraiment commencé pour toi.
Écoute, toute cette génération, Bobby Brown, alors je vais aller très très loin, hein. C'était même avant que Tupac Shakur, tout ça, hein, moi je te parle. Foxy, c'est la même génération, mais ouais, à partir de Bobby Brown, Otis Redding, Barbara Streisand, ensuite est arrivé Michael Jackson. Il y a eu toute la génération des Boyz II Men, des Blackstreet. Enfin, ouais, j'ai vraiment baigné dans la culture urbaine américaine, dans ce que j'écoutais. J'allais chercher vraiment. C'était pas forcément des chansons qui passaient à la radio. De cette façon, j'ai découvert R. Kelly, Alia, Timbaland, Missy Elliott. Et à côté de ça ne m'empêchait pas d'écouter du Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, enfin des grandes voix féminines. À côté de ça, des Céline Dion. En écoutant toute cette musique et en écoutant aussi la musique que mes parents écoutaient, mon père était très zouk, compas, slow. Ma mère était très plutôt chant spirituel, église. Église, 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 et variété française. Bah, toutes ces influences-là dans ma tête, moi en pleine adolescence, en pleine créativité, en pleine de recherche de ma personne, ben tout ça s'est transformé et est devenu ma musique en fait. Et d'ailleurs, en parlant de ta musique, enfin tes musiques, parce qu'il y a quand même tout le monde peut s'identifier hein, dans tes musiques, hein. Notamment. En fait, la chance de pouvoir chanter des chansons qu'on écrit, c'est que quelque part, on raconte un peu sa vie. Et en racontant sa vie avec les mots simples et en abordant justement la vie et l'amour d'une toute autre façon que mes collègues, ben ouais, que les gens se sentent concernés parce que ils disent ouais, mais ça, c'est mon histoire, ça, en fait. Parce qu'on a trouvé les mots qui font que tout le monde s'identifie à sa chanson. Et ça, je trouve ça un don. C'est vraiment un don. Et Leslie, toi, Confirme. et Leslie, quelle chanson de Warren t'identifies, toi? Alors moi c'est plutôt Ça m'intéresse. c'est pas une question d'identification, c'est celle que je connais le plus, que j'ai écouté le plus, mais c'est un duo avec Fanny G. Exact. C'est L'avion ancré bleu. à ton port. Non, c'est ancré à ton Ah, port. ok, d'accord. Entrée à ton port. Ok. Avec l'intro. Voilà. Mais bon, après, c'est surtout Fanny G qui chante, mais Mais bon. c'est Warren qui a écrit le texte, hein? Mais voilà, C'est c'est ça. ça. Exact. Voilà. Exact. Mais c'est une chanson que j'aime bien. Ainsi que c'est quatre albums, en fait. Ah ouais, je savais pas ça. Ben, c'est le but de l'interview. C'est le but de l'interview aussi de connaître aussi donc l'histoire justement de la production aussi, ce qu'il y a derrière également. Hein. Donc c'est aussi le Bien but. Hein. sûr. Donc voilà. Et moi, Non, j'écrivais, j'enregistrais, enfin, j'étais son directeur artistique, donc j'ai découvert Fanny dans un concours de chant. Et notre binôme a perduré des années. C'est l'une des plus grandes interprètes que j'ai rencontrées de toute ma vie. Ça, c'est clair et net. Mon choix, s'il était à refaire, j'aurais refait le même. D'ailleurs, notre collaboration et ce qu'elle devient aujourd'hui prouve que j'avais vu juste. Ouais, tout à fait. Et puis après, j'aime bien La roue qui tourne aussi, ça, j'aime bien aussi cette chanson-là. Ok. C'est quoi Merci. la roue qui tourne? Ouais. Bah écoute, Ouais, je me dis, mais t'es un peu bizarre comme meuf, hein, moi parce que aussi. je veux dire, dans La roue qui tourne, je suis pas gentil, hein. Dans La roue qui tourne, c'est l'histoire d'un mec en fait J'avoue. qui se fait tromper par une femme Bah, j'avoue, mais c'était et qui mérité. décide et qui la grille et qui décide Ouais. de ne pas faire comme tout le monde, de tirer un dernier coup avec elle et de la jeter de façon très très sale. Enfin, de façon très très pas gentleman en tout cas. J'avais bien compris, oui. Et en fait, tout ça, ce qui est magique, c'est que tu as du vécu.
J'ai vraiment fait ça. Ah oui. Ah oui. Ah ben oui. Intéressant. Ah ben oui. Je suis un auteur autobiographique, donc tout ce que je chante, je le vis. Enfin, je l'ai vécu, en tout cas. Pour moi, une chanson, c'est comme la photographie d'un instant T. Je vis quelque chose là maintenant, ben je le prends en photo. Et la photo, des fois, quand je regarde des photos ou des chansons à l'ancienne, j'aime pas. Puisque c'était des moments, c'était des instants. Mais heureusement que je les ai écrits, que je les ai mis en chanson pour que ça permette à d'autres personnes de guérir leurs maux, leurs blessures. Tout à fait. Parce que tout ça, c'est le but, c'est pas juste de raconter ma vie. Le but, c'est que d'autres personnes voient qu'on s'en sort. Ça n'arrive pas qu'à eux. Ça n'arrive pas qu'à eux. C'est ça. On peut se relever de tout. On peut Tout à renaître de fait. tout. Tout n'est qu'une question de volonté, n'est-ce pas? C'est Bien sûr. Et de perspective. Et de positionnement, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, un petit a cappella de la Roquitoune. T'es plus belle quand tu souris. N'en ne fais pas la gueule. Dis-moi ce qui ne va pas. Ton regard, tes lèvres, ton air coquin te vont si bien. C'est toi que j'aime. Ta voix m'enivre. Ton humour, ton amour, ma vie. C'est toi, Fanny, je t'aime. Tu bluffes, tu joues. Je te couche, avoue. T'es dans mon délire. Lol, je t'ai dans la peau. J'étais dans la peau. Un siphon faisant l'air. Annie, veux-tu demain? Jacques a dit. Nini, question juste ici. Je te tiens, tu me tiens par la babichette. Petite alouette, Jacques a dit. On s'aimera pour la vie. Je vois la vie en blues, blues, blues. Ah, bon, on attend jusqu'à 22h les acapellas de Warren. D'ailleurs, en parlant des albums tout à l'heure, d'ailleurs, ton premier album est réalisé par Ali Angel, c'est ça? Premier album. Exactement, c'est ça. Ouais. Premier album réalisé par Ali Angel et Nicole. Deuxième album réalisé par Ali Angel. Oui. Et troisième album réalisé par lui. Ainsi que tous les suivants. Et aussi, donc, tu as réalisé aussi des titres hein, également pour des artistes tels que Pearl Lama, également Camuse, Sly, Chris et Kim. Ah, juste avant, on pense le standard. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bien? Ça va ou même? Oui. Alors, Mikoto. Je ne sais pas, ça va être un petit bonsoir. Ah, ben, le petit bonsoir est Ah, passé. c'est gentil, Je merci. demande des dédicaces pour toute la famille. Ah, ça, on dirait mieux qu'on est la voix là, non? Oui. C'est qui ça? Enfin, Marie-Odile. ah, Marie-Odile, fidèle auditrice. Oui. Bon, en tout cas, Et la Marie-Odile. fille, quand tu la fille connaît, elle est pas reconnue. Ah, la fille là, C'est un Leslie. chantier, ça, non? Oui, qui ça, la fille? Oui, quand tu là. À côté moi, oui, c'est Leslie. Comment elle appelle? Leslie. Oui, ils chantent bien, Jenny. Passe à des petits coups de Miguel, mais ils chantent bien. Ben, c'est pas Naël, hein, c'est Leslie, hein. Merci, c'est gentil. Non, Non, c'est mais pas Naël, Naël, hein. c'est une amie, elle est connue, ils chantent, ils chantent bien. Oui, ben, ça m'a même. Vraiment, ça lui va sortir, là, je m'attends, dis là. Qui ça? Mais tout le temps, il m'écoute la radio, Réunion. Mais bon. Ok. Oui, donc c'est là, tout le temps, pour pas dire tous les jours. Il Ah. demande le jeudi, il demande le dimanche. Bah, des bons, Marie-Odile. Ben oui. Bon. Merci en Et tout cas. j'allais qu'on t'appelle un petit morceau pour moi. Qui ça? Leslie? Oui. Oui, Leslie, ça chantait dans un instant. Oui, ça chantait au Warren. Oui, bon. Voilà, en tout cas. Ah. En tout cas. Enquête pour toi. En tout cas, Marie-Odile, mais surtout une très très bonne soirée. Oui. C'est bon? Allez, nous retrouve. Alors, Allez. allez, pareil, bonne allez, soirée. pour Bonne soirée. la santé, là. Ah. Comment? Pour la santé, là. Ah. Oui. Bon, allez, bon, mais voilà, en décalage, Marie-Odile. En tout cas, c'est une très, très bonne soirée de retrouve. Ciao, bye bye. Allez, on poursuit parce que là, ça va très très vite, les amis. Donc, on parlait de ce fameux jour entre Leslie et Warren. Oh bah. C'est ça, hein, c'est ça.
Parce que Dani, t'es jamais fatigué, hein. Non, jamais fatigué. Non, mais moi, j'attends que tu chantes. Ben, on m'a dit que normalement. Non, non. Ah, si, non. Si. Si, si. Je ne chanterai pas. Ah, Marie Ozzy qui a dévoilé. Marie Ozzy qui a dévoilé que Leslie est chanteuse. Ah, pour une fois que c'est pas moi. Pour une fois que c'est pas moi. Il en faut toujours un pour me balancer. C'est pas possible. Ça s'arrêtera jamais. Jamais. Ben voilà. Bon, Leslie, maintenant, comme il dit, ben voilà, quoi. Comment dire, assume, quoi. J'assume, mais je ne chanterai pas. Non, non, non. Ok. Bon, tu vas chanter en off pour Warren, au cas où. Alors, donc, on parlait des artistes, justement, donc, Warren, que tu as, ben, justement, réalisé des titres, hein, notamment PL La Main, Cam News, Sly, Chris, Kim, et aussi d'autres artistes, je pense, non? Qui? Notamment d'autres artistes. Qui? Notamment peut-être d'autres artistes. Ah, artistes. D'autres artistes, oui, oui. Bah, plein d'autres. Oui. Axel Tony, Johan, Marvin, des têtes, mais plein d'autres, ouais, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres également. Et donc, bah, justement, c'est donc ta production s'appelle Warren Music, c'est ça? Exact. Et bah justement, donc Warren Music, ça fait depuis combien de temps maintenant? Là, tu me vieillis, hein. 2013. Ah, 2013, ouais. Ça fait combien? Alors là. Même pas 2013, attends, 2008. Ça fait presque 10 ans. 2008. Presque 10 ans. Hein. C'est ça, hein. Ça fait presque 15 ans. Bah voilà, presque 15 ans. C'est ça. Pourquoi on se moque là tout de suite? Non, moi non. Hein. J'ai rien dit. Le ah temps bon, de... d'accord. Non, c'est Dany. Il est en train de réfléchir. Non, bah c'est pour ça. Il est en train de faire un calcul, oui, un calcul voilà, d'âge, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai dit, c'est pas bien, faut pas se moquer. Voilà. Et il y a un album d'ailleurs qui s'appelle La Musicothérapie. Exact. Alors, tu racontes quoi dans cet album? C'est mon avant-dernier album. Ouais. Et tu racontes quoi dans cet album, justement? Ah, ben, si y a un album où je me suis ouvert à mon public, c'est bien celui-là. Hein. Ben, c'est un album que j'ai écrit. J'avais pas vraiment bien et du coup je l'ai appelé musicothérapie parce que ça m'a aidé à l'écrire, mettre des mots sur ce qui n'allait pas en moi m'a aidé à aller mieux, et chaque chanson exprimait un mal-être différent, et du coup la musique pour moi c'est comme un exutoire. Une fois que j'ai écrit, que j'ai dit ce que je ressens, après c'est fini, je me sens mieux. Et du coup, j'ai fait un album entier dédié à... Allez, on crache son venin et terminé. Et bah, c'est musicothérapie et c'est un album. Bah, c'est sur cet album que figure La Vie en Blues, Chacun son tour, La Roue qui tourne. Alors, deux secondes, on part sur le standard. Allô? Dis-moi, je vais mettre un petit morceau pour moi, avant que t'as dormi. Ah, t'as là-haut, arrête-il. T'as là-haut, non, mais tu vas se foutre, t'as les bons. Ah, passe un petit couvert. Qui ça? Leslie, allez, Leslie, qu'est-ce que tu dis là? Avec qui? Avec Marie-Odile, Marie-Odile est en standard. Oui. Passe un petit morceau pour moi. Quel petit morceau? Eh, ça t'est sorti là. Quel morceau vient de sortir? Tout est joli, mais l'ami ne connaît pas comment il le sait. Le titre ne connaît pas. Bon, n'inquiète pas, n'a pas sa morceau pour vous dégager. N'a pas sa petit morceau de Warren Bow dans un instant. Les bons, n'inquiète pas. Oui, les bons, n'inquiète pas. Les bons. Allez, Mario Dill. Bonne soirée à vous. Allez, bye bye. Bon, les bons. Marie-Dieu, désolé, Coupeau, mais là, le urgent. On va parler un petit peu de l'amour avec Warren. Warren, qu'est-ce que l'amour? Ah ben, je sais pas si t'as vu la chanson, le titre de la chanson, il y a un point d'interrogation. Hein. Ouais. S'il y a un point d'interrogation, c'est que moi-même, j'ai pas la réponse. Que lui-même, c'est pas... Voilà, merci. Ben, Leslie, qu'est-ce que l'amour alors? Mais c'est pas moi qu'il faut demander ça, hein. J'ai envie de te dire. Ah, je pense que chacun a sa propre définition de l'amour en fonction de son ressenti. C'est ça. On est d'accord.
Ça. Voilà. Ça peut pas être. C'est tellement bien dit. Ça tu peut pas être une généralité. Tu devrais écrire des chansons ou des poèmes. Vraiment. Ouais. Faudrait, ouais. J'y penserai. Pas de soucis. Mais ouais, je pense que ça peut pas être une généralité. Tu peux pas généraliser l'amour. C'est un sentiment qui est propre à chacun. C'est vrai. C'est ça. Donc, qu'est-ce que l'amour? Donc, qui est sorti quand d'ailleurs? Au mois de décembre dernier, 2021. 2021. Et qui a réalisé le clip? Purple Street, c'est comment il s'appelle, un réalisateur de Paris. Qui fait beaucoup de clips urbains, rap, etc. Mais avec qui j'aime travailler et voilà. Donc, big up. Est-ce que tu peux faire un petit acapella de Qu'est-ce que l'amour? Quoi que j'ai pu dire, quoi que j'ai pu faire, il ne s'agissait que d'amour. L'amour, c'est la haine à l'envers. Les happy ends, c'est dans les feux de l'amour. On rejoue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met la pression alors qu'on parle d'amour. Yeah, t'as vu, hein, Leslie, hein, c'est bien. Ouais. C'est bien dit. Ouais, moi j'adore, je kiffe. On regarde le clip, on revient juste après. Leslie, peut-être regarder s'il y a des messages sur la page Facebook de Télécrire l'écrire l'FM, peut-être. Alors, j'ai déjà regardé, il n'y en a pas. Et puis je crois qu'il y a un petit bug sur le live Facebook. Bon, bah, on va regarder ça. À regarder, mais voilà. Ok, bah, je regarde tout ça et on revient juste après la chanson de Qu'est-ce que l'amour de Warren. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Quoi que j'ai pu dire, quoi que j'ai pu faire, il ne s'agissait que d'amour. Quoi que les gens disent, c'est pas leurs affaires. Pour moi, il n'y avait que de l'amour. On rejoue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met la pression alors qu'on parle d'amour. Quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, je ne voyais que de l'amour. L'amour c'est la haine à l'envers, et happy ends c'est dans les feux de l'amour. On joue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met la pression alors qu'on parle. Mes actes sans sincère, on a rejoué l'histoire à l'envers. Vrai le maladroit, surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour? Mes actes sont contraires, je t'ai suivi sur terre, même en enfer. Vrai le maladroit, mais surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour? Savoir qui a tort ou a raison, qu'est-ce qu'on s'en fiche de toutes les façons. On rejoue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. On se met la pression alors qu'on parle. Mes actes sont sincères, on a rejoué l'histoire à l'envers. Vrai le maladroit, surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour? Comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Hey, yeah. Qu'est-ce que l'amour? Alors qu'on parle.
femme. Mes actes sont sincères. On a rejoué l'histoire à l'envers. Vrai le maladroit, surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour. Mes actes sont contraires. J't'ai suivi sur terre, même en enfer. Vrai le maladroit, mais surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour. Mes actes sont sincères. Comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour. Quoi que j'ai pu dire, quoi que j'ai pu faire, il ne s'agissait que d'amour. Quoi que les gens disent, c'est pas leurs affaires. Pour moi, il n'y avait que de l'amour. Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec Leslie et Warren pour ce soir. Ça va toujours, les amis? Salut, oui, ça va toujours. Et toi, Dani? Oui, ça va toujours. Alors, du coup, un petit rappel de jeu, Leslie, avant de poursuivre avec l'interview de Warren pour ce soir. Oui, bien sûr. Alors, ben, comme on vous l'a dit tout le long de l'émission, hein, on vous offre des cadeaux. Donc, notamment un séjour de 3 nuits pour 2 personnes en all-inclusive à l'hôtel Peninsula Bay à l'île Maurice. Ah, c'est pour moi. Participer. tu peux participer. Et il te suffit d'envoyer le mot voyage par SMS au 80 90. Voyage au 80 90. Et puis, on a aussi 3 séjours pour 2 personnes avec le petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif à vous offrir. Donc, pour tenter votre chance, il vous suffit d'envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Récif au 80 90. Et puis, surtout, c'est important, allez voir notre règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Merci Leslie pour le petit rappel de jeu pour ce soir. Mais de rien, Dani. 21h36. À ton service. Oh là là. Quand même. Pas pour tout, hein, fais gaffe. Hein. Oh, non, on se calme. J'ai rien dit, hein, bon, franchement. Hein. Bon, alors, Warren, tu passes un bon moment avec nous? C'est bon? Oui, un excellent moment. D'ailleurs, justement, on va parler de ce prochain titre, enfin, du titre H2O. Oui. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Hommage à Patrick Saint-Éloire. Oui. Donc, c'est un homme que j'affectionne beaucoup. Mm-hmm. De par son talent, mais aussi de par l'homme. Et j'avais envie de lui rendre hommage à ma façon. D'accord. Donc, de lui dire merci. De le titre H2O. C'est toujours la même personne qui a réalisé le clip ou sinon c'est une autre personne qui a réalisé? Non, c'est Manuel Ito, c'est un réalisateur guadeloupéen, ouais. Avec lequel j'ai déjà collaboré sur plusieurs clips, notamment mon duo avec Golden Bee. Et sur le clip de Ça va parler aussi. Donc voilà, c'est un réalisateur avec lequel, selon l'endroit où je me géolocalise pour faire mes tournages, j'ai des équipes en place, en fait. Si je suis à Paris, j'ai une équipe. Si je suis aux Antilles, j'ai une équipe. Si je suis en Guyane, j'ai une équipe. Ah ouais, quand même. C'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Et si je suis à La Réunion, j'ai une équipe. Ah, c'est pratique. Même à Miami, il a une équipe. Partout. Exact. Partout, quoi, tu vois. Et ça, c'est bien, ça. On faudra qu'on prenne contact très très souvent, Warren. Donc H2O. Donc et d'ailleurs, un petit a cappella de H2O. En vérité, en d'accord. Vive l'homme ou wawa contre les jours. Au cabaigné, en soleil, en moins, en panipon, d'autres choix, que de vivre ça à contre-guerre. Là, au cabaigné, en soleil, en moins, on qu'a bien voir que ou qu'apprend,
plaisir. Mais en panique, bon d'autres choix encore. Qui est de vivre, de vous et moi, pour nous. Oh, oh. Ah. Bravo. Merci. J'adore. Le titre. Bon, non, on enchaîne parce qu'il reste quand même 20 petites minutes, les amis, avant de regarder les deux clips, notamment donc, Magosure, c'est ça? Exact, Magosure. Magosure, donc c'est quoi l'histoire de... Réalisé aussi par Manuelito. Oui. Donc ça veut dire que j'ai tourné dans la Caraïbe et voilà, c'est une chanson que j'ai dédiée à ma sœur, qui est quelqu'un qui est toujours là pour moi, qui a toujours été là pour nous. Je dirais parce que c'est aussi mon manager, c'est aussi le manager de Fanny J. Et voilà, j'ai eu une petite période à vide l'année dernière, un trou noir en fait, on va dire. Et j'ai toujours été, toujours resté connecté à elle. Et cette chanson, voilà, c'est une chanson pour lui dire merci d'être ce qu'elle est pour moi. Un petit a cappella de sa chanson Magosure. Elle a d'un seul revers de mes d'ailleurs, je m'emballe, je m'étouffe. Elle a d'un qu'elle veut me réveiller, chercher l'air, je replonge. J'étais dans la peau, je suis à flot, t'es bago. Ma bimbo, ma go-go. Tu me manques de trop, je suis accro, t'es ma dope. Ma bimbo, ma go-go. Yeah. Bon, moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder les deux clips, donc H2O et Magosure. On revient avec justement pour parler un petit peu de tes projets pour fin 2022-2023. Également, si tu as des dates à communiquer dans un instant, Warren, c'est bon ? À tout de suite. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Yeah.
jaloux. Parce que c'est moi qui aime. Tu es d'une douceur incroyable.
mal. À distance, tu peux me soigner avec ta voix. Tu es d'une douceur incontestée, je ne nie pas. À distance, tu peux me soigner, t'es toujours là. En direct sur ta radio, mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM et Télé Créole ce soir jusqu'à 22h. Reste quand même 10 petites minutes avec Leslie et Warren pour ce soir. Ça va toujours ? Ça va toujours très bien. C'est bien ça. J'aime entendre ça. Allez, on va parler un petit peu des projets de Warren pour cette fin d'année 2022 et aussi en 2023. Hein. T'as quoi de prévu, Warren, pour justement cette fin d'année? Bah déjà, un Noël exceptionnel avec ma famille. J'ai décidé de sortir le grand jeu cette année pour Noël. Oui. Décorer la maison, le jardin, faire un jardin enchanté pour les enfants. Donc là, je suis tout excité comme un gamin. Et fin d'année, ben, je pense que je serai sur Paris. J'ai une prestation là-bas pour la fin de l'année. Ça se négocie et voilà. Et j'espère bien passer à la Réunion avant d'aller à Paris ou après. Ça serait sympa. Ah ben oui, ça serait top. Hein. La balle est dans votre camp. Ah ben écoute, tu nous contactes. Hein, invitez-moi. Nous on est là pour accueillir. On accueille. Okay. Nous on accueille. C'est noté. Nous. C'est noté. Voilà, nous on accueille et puis ben voilà, tu viens avec plaisir. Il y a pas de souci. Hein, donc on t'accueille avec plaisir. Et pour 2023 d'ailleurs, des projets. 2023, nouveau titre. On y est dit. Très très lourd, très très parlant. Ouais. Très explicite et j'aborde un truc qui se passe dans la vie de plein de couples, en fait, c'est la jalousie. Ah. La jalousie en amour. La jalousie en amour. Et je l'aborde de façon vice-versa. Donc c'est assez intéressant au niveau de l'écriture et de ce que ça va dire. Hâte d'entendre, hein, Leslie. Hein. Hâte d'entendre ça, oui. Effectivement. En fait, le truc, c'est pourquoi les hommes et les femmes sont jaloux. Pourquoi la femme est jalouse et pourquoi l'homme est jaloux. Ça cache quelque chose derrière. Et j'explique ça dans la chanson. Voilà. Ah bah, en tout cas, mais hâte d'entendre ce titre. Hein, donc, quand même. Oh bah, j'ai hâte de savoir pourquoi, moi, surtout. Bah oui, savoir pourquoi, parce qu'il y a quand même... Vous allez le savoir bientôt. Et côté scène, d'ailleurs, des trucs prévus, là, côté scène, des dates par rapport à quand, en janvier samedi prochain, je serai du côté de Paris. Oui. Ensuite, le 10 décembre, je serai en Guyane, à Saint-Laurent, du Maroni. Mmh. Et... ensuite, voilà, je garde un petit peu de temps pour aller en studio pour préparer justement 2023. Et après, Noël en famille. Et fin d'année, bah, je repars faire des scènes. Bon, on peut te suivre sur et les... Et après 2023, on a le temps de voir 2023. Oui. Ah, peut-être il y aura Leslie aussi en enregistrement aussi, on ne sait jamais. Hein. Ouais, bah, bien sûr, elle fera les chœurs avec moi. Ah, bah, ouais, voilà, Leslie, pourquoi pas. Avec plaisir. Ok. Ça marche. Bon, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Warren? Ouais, vous pouvez me suivre partout sur Warren Officiel, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà. Bon. C'est le même intitulé pour les trois, donc Warren Officiel. Bon, ok. N'hésite pas, Leslie, un clic j'aime, abonne-toi. Et mais oui. J'en suis également tous les personnes qui regardent. Ouais, il faut qu'on s'abonne et puis comme ça, je vous follow back et comme ça, on se tiendra informé
des informations des uns et des autres. Voilà, c'est ça. Bon, on remercie quand même Karine, hein, Karine que, tout le temps qui m'envoie aussi des nouveautés. Hein. Merci Karine en tout cas pour le contact également qui s'est fait aussi, parce que sans Karine également, donc le contact. Voilà, pas de soucis. Également, est-ce que tu as des remerciements justement à faire? Ben, je remercie toute l'équipe qui travaille derrière moi, Karine, Roliane, Laurine, François, tous ceux qui jouent le jeu autour de ma carrière depuis des années. Et puis, ben, allez, on tient le bout. On tient le bout. Est-ce qu'on peut terminer en acapella avec toi? Merci à tous les Réunionnais qui m'ont écouté. Merci à vous pour l'invitation, c'est un moment sympa. Et puis, ben, à très très vite, hein, j'espère. Bah oui, à très très vite. On aura quand même le replay de l'émission sur Instagram également. On va mettre les meilleurs moments également d'ici la semaine prochaine. Pas de soucis. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer en acapella avec toi, Warren, pour cette fin d'émission d'ailleurs? Vous voulez quoi en acapella? Ben, ce que tu veux, hein, donc. Peu importe. Tu peux choisir. Tu peux choisir. Ah ouais? Ah ouais? Alors je vais réfléchir, qu'est-ce que je veux vous faire? Allez, une chanson du dernier album, Sur la face lunaire. Mon dernier album, Back to Basic, allez le choper. N'oubliez pas, sur tous mes réseaux sociaux, dernier album, double album, Back to Basic, avec une face solaire, une face lunaire. Allez checker et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'avais prévu de chanter la confiance. Se mériter se donne, si souvent elle ne rime plus et détonne. On prend les mêmes et on recommence, pour au final se dire, putain pas de chance. Putain pas de chance. Bisous à vous. Merci en tout cas Warren, très très bonne continuation à toi. Et puis ben, bon courage également. À très bientôt. Très très bientôt en tout cas. Merci, à très bientôt. Merci en tout cas Warren. Ciao, bye bye. Bye bye. Leslie, on se donne rencard bientôt également. Nous, enfin pour moi, on se donne rencard donc dimanche prochain avec Quentin et DJ MC donc du côté de l'hôtel à Lavanda pour la semaine prochaine. Nous, on se donne rendez-vous donc Leslie le mois prochain, c'est ça? Hein? C'est ça. C'est ça. Bon bah écoute, au plaisir quoi. Hein, au moins, on fionnera pas la semaine prochaine. Bah écoute, on a un rencard une fois par mois. Oui, je devrais être content déjà. Non, un fois tous les trois mois. Alors, en tout cas, Leslie, bisous, donne très très bonne soirée. Et puis, bah, mi balance en bonne annonce. Et on se donne en quart dimanche prochain pour nous. Merci, avec, bonne soirée, l'ami. Bonne soirée, la Réunion. Merci, bonne soirée. Et merci en tout cas, François, pour le direct pour ce soir. Allez, ciao, bye bye. Pense qu'il est bon, puis fin, ciao. Mais peut-être pas comment. Tu n'as toutes qualités à tout d'ailleurs. Mon cafri, Magaya, tout le monde est roi, Magaya. Est-ce que vous imaginez, Magaya? Vous dites où va aller loin, Magaya? Vous dites où mon cafri, Magaya? J'ai perdu trop de temps à me chercher. Entre les boîtes de nuit et les soirées. Aujourd'hui tu me veux, mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Quand tu me parles, tu me déchires avec tes mots. Oh, bébé, fais attention, pense à moi. Ok, je suis là, mais fais ton choix. Aujourd'hui tu me veux, mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. La la la, la la la. Parc en fleurs, échoué sous la pluie. Les palais tu viens longtemps vagues. La coque brisée.